Bonjour Matman, le retour spécial algorithme mise en œuvre sur calculatrice Casio. Alors là, on va traiter l'algorithme qui a été proposé au bac S Liban en mai 2013. Donc, l'exercice pour ceux qui ne font pas la spécialité. Alors, on considère la suite V0 égale 1 avec Vn plus 1 égale 9 sur 6 moins Vn. On souhaite écrire un algorithme affichant pour un entier donné tous les termes de la suite du rang 0 au rang n. Et on nous propose trois algorithmes et il faut déterminer celui qui convient. Alors le premier algorithme ne va pas convenir. Pourquoi? Parce que l'affichage de la valeur de la suite se fait après la boucle. Donc ça veut dire qu'on rentre dans la boucle, il calcule toutes les valeurs de la suite et ensuite il nous affiche uniquement la dernière valeur. Or ce qu'on veut, on souhaite écrire un algorithme affichant pour un entier n donné, tous les termes de la suite du rang 0 jusqu'à n. Donc il ne satisfait pas cette condition, l'algorithme 1 est donc éliminé. L'algorithme numéro 2, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on rentre la valeur n, on rentre dans la boucle, il affecte la variable v de la valeur 1, il affiche v, donc il affiche 1. Ensuite, il affecte la variable v de la valeur 9 sur 6 moins v, donc il calcule le terme suivant. Il revient au début de la boucle. Il affecte la variable v de la valeur 1, il affiche v, donc il affiche tout le temps 1, donc il ne satisfait pas la condition qui consiste à afficher toutes les valeurs de la suite. Donc il est aussi éliminé. Donc par élimination, l'algorithme, qui est le bon algorithme, c'est nécessairement l'algorithme numéro 3, et on va immédiatement le mettre en œuvre. Donc on prend la calculatrice, on va dans le menu programme, et là, on écrit un nouveau programme qu'on va appeler Liban. Donc, on a nommé le nouveau programme. De quoi va-t-on avoir besoin? On va avoir besoin de demander la valeur de la variable n. Et on peut même se payer le luxe de l'écrire en minuscule, comme c'est précisé dans l'énoncé. Donc ça, c'est pour l'affichage. Alors là, il y a eu un petit souci. On a dit alpha, puis minuscule, puis n. Voilà, comme ceci. Donc ensuite on met un petit espace, ça c'est pas obligatoire mais c'est plus lisible je trouve, après vous faites comme vous voulez. Ensuite on appuie sur la touche Shift, puis sur la touche Var, puis sur la touche point d'interrogation pour demander à l'utilisateur de saisir une variable. Et donc cette saisie de valeur on va la stocker dans la variable n. Donc ça c'est lire l'entier n. Maintenant on va stocker, alors on peut faire une multi-affectation parce que il n'y a pas beaucoup de choses à écrire, donc on va mettre les deux points pour séparer les deux instructions et on va affecter la variable v de la valeur 1. Donc on met 1 flèche v pour stocker la valeur 1 dans la variable v. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, on va rentrer dans notre boucle for. Donc pour ça, on appuie sur touche commande, F6, puis F1, for. For, on démarre la boucle for à partir de 1 qu'on va stocker dans la variable i et on va jusqu'à la valeur n. Maintenant, on est donc dans la boucle. Et dans la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander d'afficher la valeur de v. Donc on va afficher v comme ceci. Voilà. Et on va mettre ici comme ceci. D'ailleurs, on va faire la multi-affectation aussi. Ici, on va séparer cette instruction avec les deux points et on va afficher la valeur de la variable v. Voilà. Maintenant, on va affecter la variable v de la valeur 9 sur 6 moins v. Donc ça, on le stocke dans la variable v. Et ensuite, ben, c'est terminé pour la boucle for, donc pour dire que c'est terminé, on lui dit
Next, pour dire qu'est-ce qui se passe après. Et après, une fois qu'on sort de la boucle, on lui demande à nouveau d'afficher la valeur V. Alors là, je vais illustrer une fonctionnalité des Casio qui est bien pratique. Bon, malheureusement, pas tous les modèles font ça. Normalement, si votre modèle n'est pas trop vieux, ça devrait marcher. Vous appuyez sur la touche. De toute façon, c'est marqué sur le clavier de votre calculatrice. Vous pouvez voir ici. Alors, je vais faire un petit zoom. Ici. Donc, clip. Vous appuyez sur la touche Shift, puis clip. Et là, vous avez l'option copie ou cut. Donc, vous sélectionnez. Et vous appuyez sur la touche F1, copie. Ensuite, vous descendez à l'endroit où vous voulez coller votre affaire et vous faites Shift, Paste. Et paf, il a collé l'instruction. Je signale que le copier-coller marche quel que soit le nombre de caractères. Donc ça peut être très utile, mais on y reviendra une autre fois. Donc maintenant, on va exécuter notre algorithme. Et on va donner la valeur. Alors dans l'énoncé, il nous proposait pour 10. Donc on va tester notre programme avec ce que l'énoncé a dit pour vérifier que notre programme fait exactement ce qu'on lui avait demandé. Donc d'abord, il affiche 1. Bon, ça, il n'y a pas de surprise. Ensuite, il affiche 1,8. Ah ben tiens, c'est exactement ce qu'on voulait qu'il affiche. Et on continue comme ça. 2,142, etc. Enfin, 143, puisqu'il y a après le 2, il y a un 8. On le voit ici. Le coup d'après, 2,33. Le coup d'après, 2,4545. Le coup d'après, 2,538. Le coup d'après, 2,6. Le coup d'après, 2,647. 2,714. Le coup d'après. Donc notre algorithme est bien celui qu'il fallait. Et on peut faire la même chose avec n égale 100 et on verrait qu'on aurait les mêmes valeurs. Donc on a bien rempli la mission, à savoir mis en œuvre l'algorithme du bac S Liban pour enseignement des non-spécialistes sur la calculatrice Casio.